On vient d'assister à une réunion en présence du directeur, du président du rectorat de Carthage, des universités de Carthage École, des membres du conseil scientifique et de certains représentants des étudiants. Mais les trois réunions ont pas chaclé, tous les sujets ont été évoqués, même pour les licences, pour ceux qui s'inquiètent. Le rectorat il s'est engagé à trouver des solutions, que ce soit en master, que ce soit au niveau d'autres écoles, une licence, et une fac, elle ne les accepte pas. Concernant les demandes principales internes, la démission de Saad Satar Benhamour et Mme Sonia Hajri. Saad Satar Benhamour, il a présenté sa démission de son plein gré. Il n'a pas été obligé. Du poste administratif. Du poste administratif. Il restera en tant qu'enseignant à l'aéroport. Mme Sonia Hajri, ils vont lui faire un rappel à l'ordre. Je cite Marlène. Ils vont redéfinir les prérogatives de la rabote, ils vont déterminer quelles sont les fonctions en termes, de façon à ce qu'elles ne soient plus en contact avec les étudiants. Est-ce que les dépassements les ramènent en école vis-à-vis des étudiants, c'est un engagement. Il y a une enquête qui va être ouverte. Mais maintenant, pour ce qui est pas le conseil, on est allé le plus loin qu'on a pu. On a essayé de les convaincre. Le mouvement, c'est à lui de prendre la décision. On est nommé chez les pinages lundi. On n'a pas la reprise des examens lundi. On affichera les jours qui ont été manqués. On n'a pas pris de décision. On n'a pas pris d'engagement envers eux. On est là aussi à tout le monde de décider. Donc on va présenter le PV de la réunion. On va présenter les décisions qui ont été prises à tout le monde. Et ce sera à vous de décider.